Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte sur newsfix.com. Nous vous avons déjà parlé de Warforge lors de la vidéo sur Alicia Von Goat que vous trouverez ici. Eh bien, sachez que depuis, la marque possède désormais son site. De plus, dans les temps à venir, l'accent va être mis sur la production de figurines, et c'est justement ce qui nous amène aujourd'hui. Nous allons découvrir deux pièces de la gamme. La première est Victoria Skivlana. Comme Alicia Von Goat, elle est emballée dans un simple blister plastique. Elle se présente en trois pièces, plus un socle. La deuxième est la toute dernière venue chez Warforge, Nikita. Cette assassine futuriste vous shootera de loin. Comme vous pouvez le voir, nous vous présentons ici un tirage métal. Cette figurine est composée de 4 pièces et d'un socle en résine. Mais revenons à Victoria. Cette pièce est magnifique. Comme à son habitude, Steve Party a réalisé une sculpture d'une extrême finesse qui fera un parfait officier commissaire pour vos armées de la garde. Cette figurine fait partie des tout premiers tirages, et sur ceux-ci, le pouce avait tendance à ne pas sortir au moulage. Ce n'est plus le cas désormais. Elle est très fine, mais pas surchargée de détails. Remarquez quand même les galons de son corsage, la dentelle qui en dépasse, son écharpe qui lui sert de ceinture, ou encore son pistolet. Enfin, sa casquette, distinction typique de son grade. Son manteau, très simple, offre une belle surface de peinture et renforce le dynamisme de cette pièce. Les barbages vous demanderont un peu de travail, mais rien de très compliqué. Sa jambe droite est une des pièces détachées, permettant ainsi d'atteindre la doublure de son manteau. Vous pouvez constater qu'elle est perchée sur talon haut. Elle sait rester sexy en toute occasion. Et toutes ses petites attaches parfaitement identifiables. Son sabre d'officier est, lui aussi, très sobre. Il permet, en complément de sa casquette, de la différencier du commun des soldats. Enfin, son socle amène la touche finale à cette pièce avec une caisse de munitions sur laquelle elle pose le pied, rendant sa posture encore plus martiale. Passons maintenant à Nikita. Outre la matière qui change, on sent tout de suite que ce n'est pas le même sculpteur qui est à l'origine de la pièce. En effet, celle-ci est l'œuvre de Gauthier Giroux,
Il a pris le parti d'une figurine assez chargée pour coller à une ambiance gothique. Elle porte un masque respiratoire, un grand manteau et une armure quasi intégrale. On ne le voit pas sur la vidéo, mais au niveau du pied gauche se trouve un amas de métal qui demandera pas mal de boulot pour disparaître. Sur sa jambe gauche se trouve un pistolet arbalète. Sur du métal, il est difficile de lire la sculpture, mais son visage est très réussi. Elle porte en plus une sorte de gros diadème technologique. Voici ensuite ses bras. Elle dispose de deux options de personnalisation. Vous pouvez soit l'assembler avec deux lames, soit avec une lame et un fusil de sniper. Comme vous pouvez le constater, le canon du fusil est tordu. Mais l'avantage du métal est sa grande souplesse. Il sera très facile de le redresser. Pour le reste, j'aurais tendance à préférer la résine. Enfin, elle a aussi son socle résine. Elle semble se déplacer au milieu des décombres d'une usine, peut-être pour y trouver un poste de tir adéquat, ou vérifier que son job a été accompli. Voilà pour ces deux pièces. Il va être intéressant de surveiller les prochaines sorties de Warforge, car celles-ci sont toujours de grande qualité. Sur l'ensemble des trois pièces que nous avons pu voir, j'ai une nette préférence pour le tirage résine, car il est bien plus facile à assembler. Voilà, c'était notre 25e vidéo en quasiment 6 mois. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et nous vous en remercions du fond du cœur. Nous avons besoin de votre soutien pour produire toujours plus de vidéos de haute qualité. Aussi, n'oubliez pas de partager et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite, de la part de toute l'équipe NewsFigs, de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à bientôt, dans la boîte, sur newsfigs.com.